après 2 semaines sans aller à Disney. Aujourd'hui nous sommes à Disney, mais c'est spécial parce qu'aujourd'hui... C'est la soirée Star Wars, la première. Ouais. On a le bracelet, on n'a pas pris le pack Hyper Space Mountain parce qu'il ouvre dimanche. On le fera une autre fois. On s'est dit que ça voulait pas trop le coup de rajouter 15 euros. On la fera la prochaine fois. Surtout que ce sera la même occasion que tout le monde. Et là, on va au studio, on vient récupérer nos bracelets au Disneyland Park. Et ouais. On va et vous filmer voilà, un petit peu tout ce qui va se passer. Voilà. Bon, alors là, bah, la soirée n'a pas encore commencé, mais on a pu profiter pour faire 4 attractions. Ouais, 4 attractions, ouais. Non, 3. Non, 4, il y avait Cars. Ah ouais, on a fait Cars, la Tour de la Terreur, la Terreur, Racer et Ratatouille, il n'y avait personne. En 0 minutes. Ouais, on n'a pas attendu, ça c'est vraiment l'avantage de ces soirées. C'est tellement rare que ça puisse arriver chez nous, d'habitude c'est 60, 120, 190 ouais, minutes. On a de la chance. Là c'est 0. Voilà, la soirée officiellement elle va commencer dans 4 minutes. 4 minutes, il y a déjà un peu plus de monde que quand on est arrivé, les gens ça commence à arriver. Tout doucement. Mais bon, on va partager avec vous toute cette soirée. On va essayer d'aller faire la photo avec Chewbacca. Ouais, ça serait bien. Il y a beaucoup, beaucoup de monde pour le voir, mais bon, on va patienter. Oh, bah attends. Mais bon, quoi qu'il arrive, bah, on vous filme tout ce qui va se passer pour la soirée. Allez, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Disneyland Paris est heureux de vous accueillir ce soir pour la soirée Star Wars. Ladies and gentlemen, boys and girls, Disneyland Paris is pleased to welcome you to Star Wars Night! Ça y est, on a vu Chewie. 2 heures d'attente deux pour heures. Voir Chewie. On a vu Chewie. C'était vraiment sympa. J'ai vu mon câlin avec Chewie. Ouais. Bon bah là il se fait tard, hein. On a commencé, il faisait jour, maintenant il fait nuit, il est 22h, on a fait 2 heures d'attente, on a attendu depuis 20h. Ça fait long. Entre temps, j'ai vu un petit défilé de la 501e compagnie Star Wars, je vais vous le mettre juste avant. Ouais. Donc voilà, donc là on va aller manger et on va continuer cette soirée. Il y a Vador qui va venir faire part par là. Il ouais. Y a Vador qui va rentrer. Oh, on le voit pas. Non, on voit pas, c'est tout blanc. Mais il est là, il est à quelque part là. Bon. Mais pas trop lui, c'est le taulier. Ouais, bon allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Burger au poulet, brookie, c'est un mélange de brownie en fait et de cookie. Ouais, c'est bon. Très bon. Et voilà. Merci. Ah, merci. Voilà. Donc, voilà. Bonne app. Et après, bonne app. Ouais, et après on va continuer. Hein. Ouais. On va voir. Allez, bonne app.
pas compris leur délire. Et qui font plus de tambour. Vous pouvez me dire c'est dans quelle scène de Star Wars hein. Ah, je crois que cette dernière scène coupée, on a dû louper. Ouais. Bon, je ne sais pas. Bon, pourquoi pas. Ça leur fait plaisir. Ouais. Bon allez, on va voir ce qu'il y a à faire. Continue à faire rêver chaque génération, à chaque recoin de la planète, avec ces simples mots. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Si on vit assez longtemps, on a l'occasion de voir le même regard dans les yeux de nombreuses personnes. Je vois ton regard. Je connais ton regard. À travers la force, d'autres choses tu verras. D'autres lieux, l'avenir, le passé. On raconte toutes sortes d'histoires.
terminer le vlog ici, la soirée est terminée, il est plus de, il est presque minuit et demi, le parc ferme dans une demi-heure, donc il n'y a plus accès aux attractions, il n'y a plus trop d'animation. Donc au global c'était une soirée sympathique mais décevante parce que... Il n'y a pas assez de Star Wars. Bah, c'est de Star Wars à part la rencontre avec Chewbacca, le reste c'est du déjà vu, rencontre à Dark Vador maintenant on peut le faire tous les jours au Disneyland Park, à Star Trader, côté Star Trader. Rencontre avec les Stormtroopers, c'est tous les jours au studio. La marche du premier rang, c'est tous les jours au studio. Star Wars, une galaxie lointaine, très lointaine, c'est tous les jours au studio. Mais c'était le seul truc qui était bien. C'est le seul truc de Star Wars en fait, parce qu'après il y avait des animations, mais c'était pas du tout Star Wars. Rien à voir. Enfin, là, les trucs qu'on vous a montré là juste avant, je sais pas ce que c'est. On sait pas, ça fait du bruit, ils font du bruit. Ils font du bruit. Honnêtement, c'est, on nous a vendu une soirée Star Wars à 35 euros avec la réduction passeport annuel. Bon, ouais, honnêtement, on a cherché Star Wars toute la soirée parce qu'à part avoir vu Chewbacca et le reste... Les animations qu'on connaît déjà. Les animations qu'on avait déjà tout vu avec la saison de la France à Disneyland Paris, ça vaut pas le coup. Bah heureusement que c'était pas plus de 35 euros. Hein. Heureusement ouais, qu'on a eu la réduction passeport annuel parce que pour une soirée Star Wars, voilà, c'était pas Star Wars, c'est dommage. Dommage. Bon, au moins on va terminer sur une touche positive. On a vu Chewbacca. Ouais voilà. Seule chose positive. Ça, c'est vraiment super. Voilà. Donc voilà, en attendant, si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Commentez la vidéo si vous avez des remarques, des questions ou autres. On y répondra avec grand plaisir. Partagez la vidéo et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.